Je crois qu'on nous a pas trop compris l'an dernier quand même. Pas du tout. Double dose de bonheur. Non mais du coup cette année il faut qu'on exagère. Trois versions, comme ça au moins on est sûr que ça marche. Trois bonnes cartes de vœux. Et chacun choisit ses vœux. Bon allez. À l'aube de cette nouvelle année, dans un monde en noir et blanc, dominé par les masques et les gels hydroalcooliques, une équipe d'agitateurs hyperactifs a été investie d'une grande mission. Celle de recolorer l'univers de la galaxie du monde entier. En fait, on n'est pas une boîte de com' américaine. Hein. Ok, d'accord, mais je peux finir quand même? Oui, mais vas-y, simple. Hein. En 2021, redonnons au monde toutes ses couleurs. Vous en avez assez des mauvaises nouvelles? Des expressions comme « Tu as bien pris ton attestation ?»« Oh merde, j'ai oublié mon masque !»« Désolé, on doit y aller, couvre-feu oblige !» Le Père Noël est peut-être confiné lui aussi. Bref, marre de 2020. Et si vous goûtiez à 2021, la nouvelle cuvée d'Agitéo qui va vous faire oublier l'année de merde qu'on vient de passer. 100% bonne humeur, 0% déprime. Bien agité avant dégustation, l'abus d'Agitéo n'est pas mauvais pour la santé, à consommer sans modération. Faire des vœux qui dépotent, c'est la tendance de ces dernières années. Trouver le bon ton, la jolie image qui fait mouche est devenu un incontournable des réseaux sociaux. Rencontre avec Émilie et Cédric de l'agence Agitéo. Salut à tous! Coucou! On est en tournage, on vient d'arriver au bureau, tu vois derrière. On est à fond sur la carte de vœux là, on est à l'atelier, on travaille. Mais peut-être que du coup on peut leur souhaiter une bonne année. Ouais, très belle année à tous. Bonne année.